Bonjour à toi, chers spectateurs, et explorons les fonds marins, ou en tout cas la surface de l'océan, avec Au cœur de l'océan, le nouveau long métrage de Ron Howard. L'histoire, c'est celle de Thomas Dickerson, un vieil homme qui a parcouru les mers dans sa jeunesse, en fait, et qui va raconter à l'auteur Thomas Snellville, qui compte écrire un second roman qui se nommerait Moby Dick, son aventure sur l'Essex, aux côtés du capitaine en second Owen Chase. Et du capitaine George Pollard. Polar, pardon, je Pollard, dis c'est ça. polar, enfin. Pollard. Bon, pour en parler avec moi, Capucine est de retour, Oui, je suis encore de une fois. retour. Parce qu'il y avait Chris Hemsworth en tête, donc vous pensez bien, elle était comme une folle, elle était en train de dire: Oh là, il faut absolument voir le nouveau film avec Chris Hemsworth, il est trop beau! Mensonge. Pour les putains d'amateurs comme moi, qui auraient songé, en allant voir ce film, tomber sur une histoire de Moby Dick, vous allez être déçus. Pour ceux qui pensent voir l'histoire vraie qui a inspiré Moby Dick, vous allez être contents puisque Au cœur de l'océan est un très bon film. Est-ce que Ron Howard a vraiment fait de mauvais films dans sa vie? Pas vraiment. Certains n'aiment pas Da Vinci Code, d'aller savoir pourquoi, alors que Anges et Démons, finalement, c'est la même chose que Da Vinci Code, mais tout le monde a dit que c'était bien. Non, mais voilà, c'était assez intéressant de voir cette histoire, en plus qui a été décalée de manière drastique, puisque ça devait sortir en mars de cette année. Et étonnamment, c'était quasiment à peine un mois avant sa sortie, il a été décalé à décembre. On n'a jamais su pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. Quand on voit le film, on a peut-être envie de se dire que c'était parce que les effets spéciaux étaient gargantuesques et qu'il fallait forcément les refaire ou vraiment les peaufiner. On ne saura pas vraiment. En tout cas, il arrive et je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi Capucine, mais moi j'ai beaucoup aimé Au Oui, cœur moi de c'est une l'océan. vraie découverte, une vraie surprise. Comme tu disais, voilà, on s'attend à voir beaucoup de baleines, genre souvent, et au final, partir avec cet a priori, bah non, parce que franchement, on la voit quand il le faut, et quand on se dit, tiens, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, et hop, elle apparaît au bon moment, et C'est juste ça. le temps qu'il faut. Et du coup, on s'en lasse pas, et on mise vraiment sur le côté humain, et c'est pas plus mal. Non mais c'est vrai que c'est la grande force du film, c'est-à-dire qu'il va jouer beaucoup avec les codes, on va dire, entre guillemets, du kaiju ega. C'est-à-dire que c'est pas un film de monstres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est loin d'être un film sur Moby Dick. C'est pour ça que le film d'ailleurs s'appelle Au cœur de l'océan et pas Moby Dick. Ce que je trouve très intelligent de la part des auteurs, c'est d'avoir justement choisi de jouer cette carte-là, parce que tout de suite on inclut dès le titre. Ok, en haut de l'affiche, il y a marqué l'histoire vraie qui a inspiré Moby Dick, mais ça se limite vraiment à ça parce qu'au final, le film veut avant tout parler d'êtres humains, d'un groupe d'êtres humains qui vont être amenés à devoir remettre en cause leurs idéaux, remettre en cause l'idée même d'humanité au cœur de l'océan alors qu'ils vont être en plein naufrage. C'est ça vraiment l'idée du film et je trouve que c'est très 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 bien amené au cœur d'un long métrage d'une grande intelligence. On va le voir peut-être avec quelques longueurs, mais qui ont leur intérêt dans un Oui, c'est sens. ça, c'est justifié. Enfin, comme je te disais hier, au final, par moments, on s'ennuie un petit peu, on se dit, bon, c'est... Mais après, c'est leur voyage qui est comme ça, parce qu'eux-mêmes s'ennuient, ils savent pas quoi faire, c'est long pour eux, et on ressent aussi cette longueur avec eux, et du coup, on ressent un petit peu ce qu'ils pourraient ressentir pendant le naufrage. Comme on le dit souvent, l'attente de la mort est plus longue que la mort en elle-même. Donc déjà, au niveau de l'écriture, donc le scénario est inspiré d'un roman de Nathaniel Philbrick, donc qui racontait l'histoire vraie qui a inspiré Moby Dick. Le scénario est écrit par Charles Spivitt et l'histoire est écrite par Charles Spivitt, Rick Jaffa et Amanda Silver. Rick Jaffa et Amanda Silver, c'est deux noms très importants depuis un petit moment à Hollywood, puisque c'est ceux qui ont fait les reboots de La Planète des Singes au niveau écriture. Et c'est ceux qui, pour certains, sont à l'origine de la décadence de Hollywood, puisque c'est les co-scénaristes de Jurassic World. Et donc là, très clairement, je trouve que, en tout cas, le scénario de Charles Pivitt est d'une grande intelligence, Ah d'une oui? très grande finesse. On va pas avoir grand-chose à dire sur le film, parce que c'est vrai qu'on est tombé là-dessus, mais en fait, le film est bon, et il n'a pas besoin de se justifier pour être bon. C'est ça qui est Non, c'est impressionnant dans le ça, parce film. qu'au final, bon, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, de toute façon, c'est comme ça, c'est un style assez particulier quand même. Mais après, oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas vraiment de grande justification à apporter. C'est C'est bien. très clair, Ouais, c'est c'est ça. fluide, c'est comme il Bah, faut. comme tu disais hier, tu trouvais qu'il y avait des petites caricatures dans le film, ou en tout cas des traits de caractère qui étaient assez grossiers. Mais au final, moi je trouve ça intelligent parce que là, on est supposé raconter une histoire qui a tellement fasciné un homme qui a décidé d'en faire un roman qui, depuis, est devenu quasiment un archétype à lui seul dans le cinéma. C'est-à-dire que ce personnage, donc de Ahab dans le roman Moby Dick, est un archétype de cinéma, c'est l'homme qui n'a aucun défaut, c'est l'homme qui est obnubilé par rattraper cette créature, c'est voilà, c'est super La bien grande foutu. fierté. Voilà, c'est ça, l'égocentrisme surdimensionné d'un homme. Et moi, je trouve ça très intelligent parce que dans l'écriture de Charles Pivitt, il arrive à équilibrer justement ce personnage dans le capitaine en second et le capitaine du navire.
C'est-à-dire qu'on a un capitaine qui a tellement de poids sur les épaules, qui a un passé tellement fort que résultat, il a envie de constamment se convaincre qu'il peut être un grand chef d'armée et qu'il peut diriger ces personnes-là. Et en face, on a un capitaine en second qui, lui, est le type cool, qui est ami avec tous les autres matelots, qui a un charisme de 10 km de long. Mais qui doit quand même faire ses preuves. Mais qui doit quand même faire ses preuves. Il n'a pas, à la base, le pied marin. Il n'est pas né d'une famille marin, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est qu'il n'est pas né d'une famille de marins, donc résultat, c'est mal vu. Il ne peut pas être capitaine. Non, c'est ça. Et donc, du coup, il faut qu'il fasse ses preuves à montrer qu'il faut qu'il apporte tant de barils pour avoir son statut de capitaine. Rapporte 2000 barils et tu seras capitaine. Bonne règle à la cour des marins des années du 19e siècle. C'est bien, les gars, c'est bien. Non, mais au-delà de ça, voilà, je trouve ça très intelligent. La structure narrative est bien amenée. On va dire que Moby Dick arrive... Enfin, le cachalot qui a inspiré Moby Dick... J'irais même une torpille. Et arrive au bout d'une bonne demi-heure de film. Mais voilà, ça reste... Un peu plus, tu viens. Moi, j'aurais dit une bonne demi-heure de film, vu que le film dure 2 heures. Mais c'est vrai qu'il arrive assez tardivement, mais au final, il arrive de manière assez subtile et assez élégante pour redynamiser un peu le film, là où il aurait pu tomber dans la facilité. Et puis, ce qui est intelligent, c'est qu'on a vraiment toute une première partie où on essaie vraiment de montrer que l'arrivée de ce cachalot ne va pas être simplement pour dire « Oh, regardez, il y a Moby Dick qui est là. » C'est vraiment amené pour montrer que ces marins sont allés beaucoup trop loin et que ce cachalot, c'est quasiment une espèce de fatalité digne d'un destin qui s'abat sur ces hommes-là et qui va leur rappeler que finalement, ils sont peu de choses. Dans... Vous avez mérité ce que vous avez cherché. Quoi. C'est ça. Et au final, on pourrait presque y voir un message écolo derrière ce film, parce que ce qui est très intelligent, c'est qu'il y a une parabole qui est faite par rapport à l'huile des baleines. Et à l'huile noire qui est le pétrole qu'on découvre à la fin du métrage. Et moi je trouve ça très intelligent parce que on peut y voir une parabole écolo sur le fait de tuer des baleines et en plus sur le fait de tuer la planète. Aussi oui. Puisqu'on voit bien ce qui arrive, c'est que quand on tue des baleines, ben finalement on se fait buter. Et l'écho qu'on peut y voir, c'est à force de creuser la terre pour y trouver du pétrole, on tue la terre et elle va nous tuer. Ouais, c'est la petite facette écologique. Mais c'est, on y voit, mais c'est, on y voit c'est, pas forcément. C'est très intelligent, mais c'est mais très c'est... intelligent. C'est vraiment juste un message comme ça. C'est pas forcément un message écolo redondant comme on peut le voir dans Avatar et ce qui dégoûte tout le monde. Là, c'est vraiment juste un écho pour rappeler simplement que voilà, ce qu'on essaye de piller va forcément essayer de nous détruire ensuite. C'est juste ça. Moi, j'ai trouvé ça très intelligent. Et puis voilà. La revanche de la nature. C'est un peu ça. Et puis ce cachalot, il pète quand même sa mère. Hein. Enfin, ouais. Là, on peut passer. Enfin, à moins que t'aies d'autres choses à dire, je pense qu'on peut passer sur Areal. De Renaud Ward. Non, on peut passer à la réelle. Ouais, la réelle de Renaud Ward, elle est folle dans ce film. Enfin, elle est folle. Tu le disais hier, il y a des plans qui t'ont vraiment marqué. Ah ouais, non, mais il y en a certes. Surtout un, je sais pas, je pense que c'est le premier comme ça qui m'a marqué. Il y a la caméra qui est posée sur le mât, et donc ils sont en train de tirer les cordes, et donc du coup, il y a la caméra qui bouge en même temps, mais le point de vue est juste magnifique, et on a vraiment l'impression qu'on est à la place du marin en fait, en train de tirer la corde. Et ouais, c'est ça, c'est magnifique. Ouais. Mais il y a un très joli travail de mise en scène de la part de Renaud Ward et de son chef opérateur sur ce film, parce qu'on sent qu'ils ont pas voulu se limiter à simplement faire un film. Alors attends, je vais juste retrouver le nom directeur de la photo avant de me lancer. Anthony Dodd-Mantel. Je trouve qu'ils ont fait un très joli travail de la photo parce que c'est presque du naturalisme en fait. Cette photographie est très très bien faite et elle est surtout très élégante dans le sens où elle fait ressortir des éléments de décor. Ou alors elle va utiliser des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de long métrage. Par exemple, moi ce qui m'a surpris, c'est voilà au tout début du film tous ces plans qui sont quasi en caméra subjective sur des éléments du bateau. Presque pour transformer le bateau en un personnage. Parce que même à un moment, il y a la caméra qui est sur le côté du bateau, donc il y a l'eau qui vient du coup sur la caméra et tout ça. C'est mais ça. Genre, ouais, on pensait pas non plus être carrément sur la coque du bateau, quoi. Mais ouais, c'est ça, non, mais il y a plein de plans comme ça. Comme si on était la baleine, en fait. C'est un peu ça. Mais il y a plein de plans comme ça qui sont très très bien faits de la part de Renaud Ward. Et enfin, Renaud Ward, moi, c'est un réalisateur que j'admire parce que je trouve que c'est. À la base, donc, c'est un acteur, Renaud Ward. Et il a tellement réussi à se construire une personnalité au travers de sa mise en scène au fur et à mesure de ses films. Qu'au final, chacun de ces films a une identité propre, mais on sait que c'est Renaud Ward qui l'a mise en scène. C'est-à-dire qu'on regarde la mise en scène de Da Vinci Code, on regarde la mise en scène de Rush, on regarde la mise en scène de Au cœur de l'océan. À chaque fois, on a une manière de mettre en scène qui est différente, mais qui a toujours ce côté très humain, ce côté très grandiose. Enfin, il y a beaucoup de Roland de Apollo 13, j'ai trouvé dans ce film, dans le sens où c'est l'histoire d'un groupe d'hommes qui va essayer de survivre tous ensemble à une fatalité qui devrait les condamner à mort. Et c'est aussi ce côté un peu seul, mais qu'on essaye... Enfin, de paraître qu'on ne l'est pas. Enfin... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très très bien amené dans le film. Et Renaud Ward, c'est un très très grand metteur en scène. Enfin, est-ce qu'il avait encore besoin de prouver que c'était un grand metteur en scène? Je pense pas. Mais non, là, il le fait très bien. Il y a un très joli travail aussi de rapport avec la nature. Il y a beaucoup de plans dans le film qui sont faits sur des éléments de décor ou sur des éléments qui sont sur une plage, par exemple. Il y a un moment, il y a un moment quand il s'apprête à repartir d'une plage, t'as juste un petit plan fixe sur un petit roseau, je crois, qui est en bord d'océan, qui est très très beau. Et il y a aussi un très joli travail sur la profondeur de champ dans ce genre de plan. Il y a un très joli jeu avec la 3D, j'ai trouvé, dans le film.
Ah, tu vois, la 3D m'a pas marqué là. Au tout début du film, en fait, quand on débarque dans le port avec le personnage de Owen Chase, ce que j'ai trouvé très fin, c'est que t'as des plans où il y a un dézoom qui est fait dans l'image. Enfin, c'est un dézoom manuel, mais c'est un dézoom qui est fait dans l'image. Et en fait, la profondeur entre l'élément de décor au premier plan et le décor en arrière-plan grandit au fur et à mesure que le plan dézoome. Et moi, je trouvais que c'était très beau, en fait. J'ai vu 2-3 plans comme ça et j'ai trouvé que c'était vraiment beau et qu'il y avait un très joli travail de relief. Après, durant les séquences sur l'océan, c'est plus là pour de l'immersion, quoi, pour vraiment jouer là. Et après, ouais, enfin, je trouve que dans le film, ce qui est très très bien rendu, c'est le côté immense, grandiose. C'est ce... Enfin, ce côté un petit peu, dans, on sent dans un sens que Pacific Rim est passé derrière, et résultat, il y a ce côté vraiment impressionnant au niveau du cachalot qui est très très bien rendu. Enfin, quand il apparaît, on se dit wow, qu'est-ce que c'est que ce truc. Les vues un peu subjectives comme ça, où tu le vois carrément dans l'eau et tout, tu vois à côté la pirogue est ridicule quoi, ouais, clairement elle est ridicule. Et... Bah, d'ailleurs, le tout premier plan du film, c'est ça en plus. C'est le personnage de Thomas Nelville qui parle en off, et nous on est dans l'océan, on se balade, et tout d'un coup on voit cette espèce d'énorme monstre qui débarque de nulle part, on le voit juste de dessus et on voit carrément tout son dos ratissé par la caméra, et la seule chose qu'on voit à la fin, c'est cette énorme queue se balancer. C'est magnifique. Mais j'ai trouvé ce plan, il est fou quoi, et puis dès le début ça te pose, ok, il va y avoir cette fatalité là qui va débarquer en plein milieu de film, qu'est-ce que ça va nous amener à faire réfléchir. Mais comme le plan qu'on a beaucoup aimé, c'est au moment quand il y avait beaucoup d'émotions entre Chase et la baleine. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est de la manière dont c'est fait, genre la baleine qui arrive comme ça et Chase qui n'ose pas du coup. Ouais, c'est ça. Et tu vois toutes ces tortures que la baleine aussi a subies, et je sais pas, il y a un truc qui se passe, un truc qui se dégage. Et ah, non, c'est très, très bien fait. Enfin, il y a une très très jolie émotion qui se dégage de tout ce film. Enfin, c'est peut-être le gros point fort du film, c'est un film qui est très émotionnel. Et après, bon, on peut revenir rapidement sur les quelques longueurs qu'on a trouvées sur le film. Au final, ces longueurs-là, on s'est dit à la fin, voilà, pour réappuyer, que c'était pour apporter plus d'ampleur à ce qui arrive à ces personnages. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je trouve que Ron Howard, résultat, il en use très bien dans sa mise en scène parce qu'il étire certains instants. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Il y a même beaucoup de scènes qui sont dans les barques où il a tendance à vraiment étirer le temps et à vraiment faire rebondir les actions, mais juste pour les faire rebondir et pour faire durer le temps. Et moi, je trouve que c'est très, très bien amené. Ouais, après, c'est peut-être la petite faute que je pourrais donner au film, c'est d'avoir tendance à trop jouer avec les cartons. Dans le sens où il a trop tendance à rappeler 87 jours de naufrage, 90 jours de naufrage. Ouais, mais après, c'est pour aussi nous rappeler un petit peu l'évolution des personnages, même si physiquement on le voit. Ouais. Je pense que c'est pour nous donner aussi des petites indications temporelles. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est un petit peu gros. C'était peut-être. Ils auraient pu s'en passer et juste jouer sur la transformation physique des personnages. D'autant plus que quand tu vois comment Chris Hemsworth. On va passer aux acteurs, on va en parler, mais quand tu vois comment Chris Hemsworth s'est transformé pour à peine 10 minutes de film, on a la sensation, c'est impressionnant. Rapidement, la musique de Roque Baños, moi je trouve elle accompagne bien l'action, elle est pas exceptionnelle. Non, elle est pas exceptionnelle, mais elle arrive quand même à bien nous plonger. C'est ça, voilà. Quand tu les vois sur les pirogues, c'est allez vite, faut aller lâcher sa baleine et tout ça, alors qu'il y en a que 3-4 qui se baladent là dans l'eau. Non, mais c'est plutôt t'as vraiment envie de vivre l'aventure avec eux. Mais ça reste des compositions assez simples. Je t'avoue que j'ai plus été marqué par ces compositions dans Régression dernièrement que vraiment dans celle de Cœur de l'Océan. Ça m'avait pas marqué dans Régression, personnellement. Au niveau du casting, alors là il y a un casting qui est assez impressionnant, avec notamment Chris Hemsworth en tête de film. Il y a Cillian Murphy, il y a Tom Holland, il y a Brendan Gleeson, il y a Ben Whishaw, il y a Benjamin Walker aussi dans un rôle secondaire. Enfin, tous ces acteurs-là sont dingues. Enfin, mais moi je mets une petite mention spéciale quand même pour Tom Holland, le petit jeune. Oui. Parce que je trouve qu'il a un sacré potentiel et moi je pense qu'il peut vraiment bien décoller sa carrière. Il peut aller beaucoup plus loin que jouer Spider-Man. On verra bien ce qu'il va donner. Oui, mais il peut aller beaucoup plus loin. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Enfin, moi, il m'a beaucoup plu dans ce film-là, en tout cas. Moi, je t'avoue que j'ai surtout gardé en tête Chris Hemsworth, que je trouve vraiment. Benjamin Walker aussi, très bien. Oui, c'est vrai que. On le connaît malheureusement pour avoir que joué Abraham Lincoln dans Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Oui, mais là, il est vraiment impressionnant, je trouve. Là, il est vraiment impressionnant et il a un personnage qui est très complexe à jouer. Jouer le connard parfait, c'est extrêmement complexe à jouer. Il le fait très très bien. Ouais, il s'impose bien. Ouais. Mais Chris Hemsworth, il explose complètement dans ce film. Moi, je trouve que c'est vraiment l'acteur central. Il est impressionnant. En même temps, il joue en même temps, il joue un peu le mec prétentieux type Thor. Ah ouais, mais après, c'est le personnage, quoi. Mais c'est un peu cliché, Il rend bien, moi, je trouve. Il rend quand même vachement bien. Et il impose vraiment tout de même un charisme qui est assez impressionnant. Ouais, je suis d'accord. Et après, ouais, tu as dit Tom Holland est bon. Cillian Murphy aussi est excellent. Et durant la partie récit, moi j'ai trouvé Brendan Gleeson et Ben Whishaw vraiment touchants. Ils dégagent beaucoup d'émotions. Vraiment touchants. Ils sont très très bons. Le duo fonctionne très bien. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
Ben voilà, bilan de Au cœur de l'océan. Donc Capucine, toi, qu'est-ce que tu en retiens ? Grosse découverte, grosse surprise. Je pense que c'est un film malheureusement qui va passer un peu à la trappe. Ben ouais, malheureusement, il sort une semaine avant Star Wars. C'est quasiment sûr que celui-là. Mais même Star Wars ou pas Star Wars, je pense que c'est pas le genre que les gens. Il sortit trop tard. Je pense qu'il aurait dû sortir en mars, contrairement à aujourd'hui. Même si au final, c'est peut-être un très bon film et que voilà, ça se trouve, ça serait sorti en mars, ça aurait été un très mauvais film. Là, au final, ça reste un très bon film qui malheureusement, ouais, va passer complètement à la trappe parce que. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que il est très intéressant et très intelligent. Il a un très joli potentiel. Ouais, je trouve. Ouais, peut-être que c'est un film qui trouvera une seconde vie en DVD. Par contre, je reste persuadé, quand j'ai vu la fin du film, je reste persuadé qu'il y a une version longue de 3 heures. J'en suis quasiment sûr. Avec plus de détails de l'histoire, du coup. Oui, avec beaucoup plus de choses. Ce serait pas étonnant. Je pense que ça serait pas étonnant qu'on découvre qu'il y a une version longue de 3 heures qui sorte en DVD. Et ouais, moi, personnellement, j'espère parce qu'elle doit être très très bien. Ben voilà, moi je suis à peu près dans les mêmes idées que toi au niveau du film. C'est un film, un très très bon film qui va passer complètement inaperçu parce que d'un, il va se noyer dans les sorties de cette semaine. Et de deux, eh ben, il y a Star Wars la semaine prochaine, donc c'est sûr qu'après Star Wars, ben, il va faire une chute vertigineuse au niveau des entrées. Mais c'est vraiment dommage. Donnez-lui quand même une chance si vous avez l'occasion d'aller le voir ou chopez-le en DVD parce que c'est, voilà, c'est un très très bon film Au cœur de l'océan de Ron Howard ça vaut le coup d'aller le voir très largement. Merci Capucine d'avoir participé à cette petite vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, même quand on est un putain d'amateur. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Salut.